Cependant, ce calendrier a une petite originalité puisque je présume que les cases de 1 à 12 sont en haut et ça s'ouvre comme une boîte finalement. Mais en bas, c'est un tiroir. Ça, vous pouvez le mélanger si vous voulez à votre fond de teint aussi, à votre crème de jour, pourquoi pas, ou sinon l'utiliser tout simplement en illuminateur. Donc bon, case numéro 1, voyons le reste. Case numéro 2, ah, en case numéro 2 on a un bon produit, mais surtout un produit d'une marque assez onéreuse puisqu'on retrouve Herborian dans ce calendrier. Et nous avons reçu l'huile de nuit multi-perfectrice aux 10 super ingrédients. C'est 90% d'origine naturelle. Alors, après la première nuit, votre peau est lissée.
Par rapport
Je peux lire les instructions.
Je
Sur un produit qui est végan et cruelty free, le contenant, le conteneur est en matière recyclée. J'aime beaucoup la forme de la bouteille. Et je voudrais juste voir ce que ça sent. Smells like future bloom. Ça sent comme la prochaine floraison. Et ça sent très bon. Ok. Case numéro 17. En case numéro 17, on retrouve The Ordinary. J'aime beaucoup, beaucoup cette marque. En ce moment, j'utilise leur rétinol. Alors, le seul reproche que je pourrais leur faire, et encore, c'est que quel que soit le produit que vous achetez, il a toujours une consistance un peu huileuse. Et c'est pas marqué malheureusement. Il faut avoir testé plusieurs produits de la marque pour se rendre compte qu'ils ont une formule un peu huile. Par contre, j'ai jamais eu de rougeur, de picotement en utilisant leurs produits. Ils sont à des prix vraiment raisonnables comparés à d'autres marques qui font du skincare. Et ce produit-là, je ne l'ai jamais testé. Il s'agit du Natural Moisturizing Factor OHA Surface Hydration Formula. Alors attendez, je vais essayer de le trouver en français. Ah voilà. Un facteur naturel d'hydratation plus HA avec des acides aminés, des lipides dermiques et à l'acide hyaluronique. Appliqué après les sérums et selon le besoin pour obtenir une hydratation de surface efficace. En cas d'irritation, arrêtez d'utiliser. C'est sans parfum. J'adore. Ah, et c'est dans un format que je ne connais pas de la marque, puisque moi j'ai toujours eu les petits comme ça, vous savez, mais bah, en plus gros, hein, les fioles en verre. Et là, on est sur un tube. Calendrier. Case numéro 19. Une nouvelle marque.
ça va sentir bon. On a de la marque Grown Alchemist, Alchimiste. Une crème pour les mains. Regardez la taille du flacon. À la vanille et aux écorces d'orange. Ça va sentir bon ça. Oh, j'adore. J'adore le packaging.
je tiens à m'excuser. Voilà, j'ai des excuses à vous présenter à vous également à la marque Asos. Il y a bien une case numéro 25 dans ce calendrier qui était tout simplement cachée en dessous de la case numéro 24. Sorry. Donc, case numéro 24, cette fois, est bien notre avant-dernière case. Dans cette case, on retrouve une gua sha. Thank you.
Ouvertures de